Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo balle, j'ai reçu deux courriers. Alors avec une jolie fée qui me vient de Créa Fée, Créa 59 Fées. Et cette carte tout en longueur là, avec un joli tamponnage qui me vient de Sandrine. Alors Sandrine, je ne sais pas depuis combien de temps, qu'est-ce qui est marqué le... Le 25-6, ah bah si ça va, parce qu'en fait tu avais mis 27-132 au lieu de 17-132, mais je vois que ça doit être le facteur ou au centre de tri qu'ils ont rectifié le code postal, mais bon, tout va bien, c'est arrivé. Donc allez, c'est parti, on va ouvrir. Hop, grosse dodu là. Alors. Bonheur. Oh. Et voilà une jolie carte. Oui, c'est la carte. Donc, une base noire. Une découpe certainement au ciseau cranteur en craft. Et par-dessus, tu as collé une jolie. Trois jolies découpes noires. Ça fait très très chic. Avec le mot bonheur en blanc. C'est une carte que je trouve très chic, très belle. Très simple, c'est pas péjoratif à ce que je dis là, c'est que bon, il n'y a pas 36 techniques, mais c'est clinquant, voilà, c'est beau, ça, c'est chic, moi j'aime beaucoup, c'est très chic. D'accord. Alors c'est pour un PBA, le voilà. Mon premier PBA, alors PBA, je vous rappelle, Polaroid Bonheur Artiste. Sur la chaîne de Cybella, vous savez, je vous ai fait un petit tuto de ce PBA. Ah, il est beau. Alors, regardez. Vintage, avec la petite dame vintage. Le petit flacon de parfum, la petite rose. Souvenir. Et derrière, bien sûr, donc le petit tampon Créa Fée. Et la petite, hop, je le recollerai, c'est pas grave. Ça s'est décollé, mais je vais le faire tout de suite. C'est le problème des washi, hein, c'est pas toujours très solide. Ah, voilà. Allez. En direct, réparation. Voilà, je vais y mettre une petite pince. Comme ça, hop, je serai sûre que ça va bien prendre. Voilà. Alors, tout est meilleur avec une pincée d'amour. C'est la phrase, la jolie phrase que l'on doit mettre derrière, et c'est vrai. Alors, elle est. Sa découpe était faite avec un dies avec des trous. Et elle a refait la même découpe avec les trous pour mettre la petite citation qui va bien, quoi. Alors, échange du 26-6-21. Il est vraiment très très beau ce PBA. Hop, je vais pousser un petit peu. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, des petites choses en plus. Je dis bien sûr, parce que bon, ben voilà, c'est jamais obligé, mais on ne peut pas s'empêcher hein, les unes et les autres de rajouter des petites choses. Ça fait tellement plaisir. Hop. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis? Alors, des petits tamponnages. Ici, il y a un mascara. Un flacon de parfum, le même que tu as mis sur son PBA. Et des lèvres. Un tube sans le... C'est rigolo. On a le tube sans le... La brosse. Voilà, je vais y arriver. Un petit rond. Ah, des petits carrés comme ça. Ils sont chouettes, ces petits carrés. Ah ouais, sympa. Tout un tas de petites découpes, des petites étiquettes comme je les aime. Une petite étiquette avec un petit oiseau. Et des petits ronds et une autre petite étiquette avec des petits tamponnages. Merci infiniment. J'aime beaucoup
beaucoup. Super. Hop. Je vais remettre les petites choses dedans, là. Comme ça. Oups, comme ça, je ne perds rien. Hop. Je vais enlever ma petite pince. On va lui laisser le temps de sécher tranquillement. Je vais remettre la petite citation derrière. Voilà. Et je ne l'enlèverai que quand il sera sec. Il va falloir que je me fasse une petite boîte. Oups, je ne suis pas dans le champ. Qu'est-ce que c'est que ça? Je monte. Ah oui, c'est... tu m'as rongé, toi. Voilà. Hop. C'est qu'il va falloir que je me fasse une boîte maintenant pour ranger les PDA. Un peu de travers. Oups, excusez-moi, je vais vous donner le mal de mer à force. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Merci infiniment. Donc là maintenant, je vais ouvrir. Hop, bien là, je vais ouvrir. Décidément, je vais pas y arriver. On va faire comme ça. Voilà. Ah, mais qui c'est qui commande ici quand même? La jolie carte, la jolie enveloppe de Sandrine. Tout en, en longueur. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai mon... Il faut que je refixe mon caméscope. Je l'avais... vous savez, quand je fais les tirages au sort, je sors mon caméscope de son pied pour filmer l'écran. Et je crois que je l'ai mal refixé, là. J'espère que vous n'allez pas tomber avant la fin de la vidéo. Mmh, voilà. Ah oui, ça... Je pense que... Oui, donc c'est le tag de juin sur le groupe Facebook de Cora, Scrap avec moi. Je participe à un échange tagbook. Tous les mois, on s'envoie par binôme un tag avec des consignes. Tout le monde a les mêmes. Il y a plusieurs consignes. On choisit bien sûr les consignes et tout le monde a les mêmes. Donc voici le très joli tag. Il est magnifique. Il y a un joli vert de cocktail. Là, elle m'a marqué juin. Il y a de la pâte de structure, un fond à l'aquarelle, je pense, avec du pochoir, du tamponnage. Il est vraiment très, très beau, ce... Alors, est-ce que c'est toi qui as colorisé? Ben, je crois bien que oui. Et c'est magnifiquement fait. Il y a un dégradé de orange qui est superbe. Regardez. Là, il y a le verre de cocktail. Moi, je dirais que la grenadine est restée dans le fond. Et on va les mélanger quand on va boire. Et c'est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup. Et en guise de carte, tu m'as fait un très joli PBA. Il est magnifique avec ses petites découpes comme ça. Tout en finesse. Une découpe fleur, papier couleur. Et une découpe fleur... Attendez, je vais vous montrer ça. Où est-ce qu'il est, mon petit pic? Bon, j'ai perdu mon petit pic, on va faire autrement. Et une découpe fleur, ça va pas le faire, ça. Oh, décidément. Voilà, une découpe fleur avec du papier calque ici. Je vais pas y arriver à la soulever pour vous montrer. Voilà, voyez, hop, je suis ici. Il y a deux épaisseurs de fleurs. C'est vraiment magnifique. Fait main. Tout simplement. Et alors parvenir le tag de juin. J'espère qu'il te plaira, mais bien sûr. Ah, d'accord. Alors, elle est venue en colonie de vacances à Méché. Quand elle était enfant. Quand je vous dis que le monde est petit. Merci infiniment, Sandrine. Ton tag est magnifique. Ton PBA aussi. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci infiniment. Voilà. C'était une toute petite vidéo balle, mais voilà, pour moi, ben c'est du bonheur parce que voilà, j'ai encore reçu, voilà, encore une fois, voilà, voilà, voilà. Hein, c'est des mots que j'ai remarqué, je n'étais pas la seule à dire souvent voilà dans les vidéos. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, une super balle du bonheur encore. Deux envois qui me comblent infiniment. Je vous remercie. À très bientôt. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.